c'était pendant les vacances à la montagne. Mais non, Dent de Lion, t'as perdu la tête. C'est la fois où on était parti dans le marais. Oh oui, ça y est, je me souviens maintenant. Oh, on a eu tellement froid. Ouais, et drôlement peur aussi. Cette fois, ça y est, le grenier est complètement vide. Ouf. Mais où sont passés nos lapinos? Ils farfouillent dans la brocante à la recherche d'une trouvaille. La perle rare. Waouh! Il est drôlement chouette. Vas-y, Romarin, tu peux l'essayer si tu en as envie. Vrai de vrai? Oh, merci, Popilio. C'est la première fois que je joue sur un aussi beau violon. Alors. C'est mon fils. Tu entends ça? Il joue comme un vrai violoniste. Allez, hop, je vais l'accompagner. Oh. Mais non, ça va tout gâcher. C'était vraiment merveilleux, mon chéri. Hey, tu nous casses les oreilles. Ça suffit maintenant. Je suis épaté, Romarin. Tu es un véritable artiste. Et si tu me fais la promesse de rejouer très souvent pour nous tous, je te l'offre, ce violon. Merci, Papilio. Je te le promets. À partir de maintenant, mon violon et moi, on ne fera plus qu'un. Depuis que Romarin a ce violon, il est dispensé de corvée. C'est pas normal. Allons, Mistouflet, tu devrais être heureux que ton frère soit un grand virtuose. Merde! Le violon, moi, ça me vrille les oreilles. Normal, tu n'y connais rien en musique. N'importe quoi. Puisque c'est comme ça, je vais me coucher. Bonne nuit. Bon, je crois que tout le monde est un peu fatigué. Il est grand temps d'aller au lit. Mistouflet, il faut que tu comprennes. Ce violon a pris une grande place dans le cœur de Romarin. Tu veux dire comme un frère? C'est un peu ça, oui. Ce sont des choses qui arrivent quand tu as une grande passion. Je suis pas d'accord. Moi, j'étais là avant le violon. Si tu t'endors en colère, tu vas mal dormir. Allez, bonne nuit, mes chéris. Bonne nuit, Zinia. Saperlipopette, tu ne vas tout de même pas jouer durant la nuit. Papa, un artiste ne se sépare jamais de son instrument. Allez, bonne nuit l'artiste. À demain. Il est temps de se mettre en route pour paner les eaux. Il faut absolument nous ravitailler avant que l'hiver ne soit là pour de bon. J'ai préparé une liste pour ne rien oublier. Hein? Comment ça a disparu? Il ne peut pas être bien loin. Oh là là! Mais pourquoi tu cries comme ça, Romarin? T'as réveillé Pantin et je peux te dire qu'il n'est pas très content. Romarin ne retrouve plus son violon. Hein? Le violon! T'es où, le violon? Pas là non plus.
chercher partout. Hé hey, hé hey, ça serait pas ça que vous cherchez par hasard? Oh, oh. Toi, tu touches pas à mes affaires. Bah quoi, ça va? C'était juste pour faire une petite blague. C'est même pas drôle d'abord. T'es méchant. Regarde, t'as fait plus rire au marin. Si tu recommences, je te parle plus. Jamais. Bon, n'en parlons plus. On va laisser Mistouflet bouder un peu dans son coin. Le violon est là, c'est le principal. Avec tout ça, il est tard. Nous devrions déjà être partis pour la ville, Onésime. Dites, je peux venir avec vous? Je voudrais de nouvelles partitions. Eh bien, c'est d'accord. On emmène notre musicien. Ouais. Nous serons rentrés avant la nuit. Mais surtout, vous restez bien au chaud. Et personne ne touche à mon violon. Tranquille, Romarin. Avec moi, il ne lui arrivera rien. Ouf! Ça va nous faire du bien, une journée sans crin-crin. Oh, ça va, tu ne vas pas recommencer, Mistouflet. Aide-nous plutôt à débarrasser. Monsieur Romarin va se balader en ville pendant que je fais le ménage. Oh là là, pas question, moi je marche pas. En fait, tu es jaloux. Et hop. En avant la musique. C'est sûr, tout le monde ne peut pas avoir le talent de Romarin. Répète un peu pour voir. Je dis ce que je pense, et si ça te plaît pas, c'est pareil. Vous allez voir, je vais vous en jouer, moi, du violon. Entre frères, on doit tout partager, pas vrai? Mes soufflets. Des courses. Ça ne fait rien, c'est pas grave, on se débrouillera sans elle. Non, j'y vais. Je n'en ai pas pour longtemps. Partez devant, on se retrouve en ville. On pourrait le réparer dans l'atelier. Ah bah oui, là il y a tous les outils qu'il faut. Non, c'est pas une bonne idée. On pourrait l'abîmer encore plus. Là, c'est sûr. Romarin ne me parlera plus jamais de jamais. Regardez, il y a quelque chose d'écrit dedans. Mais Pantin, il voit pas assez bien pour lire quoi. C'est une signature. Lucio, hein? Luthier. Mais oui, la voilà la solution. Dis donc, il est drôlement loin le Lucio. Et en plus, il faut traverser le marais pour y arriver. Papa a toujours dit que c'était dangereux le marais. Très dangereux même. Oui, mais c'est par là-bas qu'habite Lucio le luthier. Et le travail d'un luthier, c'est de réparer les violons. Alors on y va, d'accord? On aurait quand même pu laisser un mot pour dire où on allait, non? Oh là là, quel trouillard celui-là! On sera revenu bien avant Papa et Zinia, espèce de nul. T'inquiète, Agaric, j'ai laissé Ponta à la maison. Comme ça, il pourra tout dire à Papa. Hey, oh! Les enfants! Zut, c'est Papilio. S'il me voit avec le violon, on est fichu. Vite! Qu'est-ce qu'il fabrique par là? Mais c'est la ville de la musique ici. Le mélange est parfois un peu bizarre, mais bon. Voilà l'explication. La nuit de la note bleue. Ce soir, tous les virtuoses sont invités à venir jouer. Il faut absolument que toi aussi tu joues. Ouais, super. Vivement cette nuit. La nuit de la note bleue. Les enfants, vous êtes là?
si, si. Bon, alors, c'est encore loin, le luthier dans de Lyon. Lucio, le luthier. Oui, bon, bah c'est pareil. Moi, je suis fatiguée, je te ferai dire. C'est vrai qu'on pourrait quand même s'arrêter un peu. Hein? Chut. On y est. C'est Lucio, le luthier. Ouais. Suivez-moi. C'est là. En pleine répétition, petit fouineur. On n'interrompt jamais la musique. Excusez-moi, monsieur. Je vois bien que je dérange, mais... Hein? Voilà, on cherche Lucio. Même le meilleur luthier au monde n'arriverait pas à réparer ce bout de bois. Chut, le haut feu, mon garçon, ça te tiendra chaud. Il commence à m'échauffer les oreilles, celui-là. De toute façon, on n'a pas besoin de vous. Allez, viens, ils n'en valent pas la peine. Direction le marais. Le marais. Mais vous n'y arriverez jamais. Il faut être équipé pour le traverser. Signia, Saperlipopette, nous étions morts d'inquiétude. On t'a attendu en ville. Qu'est-ce qui se passe? C'est catastrophique. J'ai vraiment cherché partout. Je ne sais pas où sont les enfants. Il a dû arriver un grand malheur. Hé, hey, les passiflores. Je les ai vus, moi, vos petits. Je ne sais pas pourquoi, ils vont vers le marais. Oh non, c'est pas vrai. Tu es sûr, Papilio? Oui, même qu'ils se sont cachés quand je les ai appelés. Mistouflet portait ton étui à violon. Oh non! Oh. Bon, je connais le marais comme ma poche. J'y jouais quand j'étais jeune. Papa! Signia! Ils ont pris mon violon! Ah, encore un coup de Mistouflet! On est bientôt arrivés. Je vous jure, j'en peux plus. Moi, je veux papa et Zinia. Mon pauvre dent de lion, c'est vrai que ça devient beaucoup trop dur pour toi. Bon, allez, nous on rentre. On va aller se mettre les pieds au sec, d'accord? Courage, Mistouflet. Tiens bon, Pirouette. On n'est pas les passiflores unis. Dis donc, ça fait un moment qu'on est sorti du marais. Là, c'est le mont gelé. T'es sûr que c'est le bon chemin? Bah, je suis sûr que je suis sûr de rien. Oh, oh, regarde! Bingo, on y est! Mistouflet, c'est toi le meilleur! Et toi, t'es la plus fortiche des fortiches! C'est ouvert! Entrez! Oui? C'est pourquoi. Ne soyez précis et bref. C'est juste pour une petite réparation. J'ai du travail par-dessus la tête. Posez-moi votre violon dans un coin. Je verrai ça plus tard. Mais c'est très important, monsieur. Écoutez-moi bien, vous deux. À l'heure qu'il est, je devrais déjà être en train d'hiberner. Alors ce soir, je ferme la boutique jusqu'au printemps. Pour votre violon, repassez après l'hiver. Tu vois, c'est facile, Don de Lion. Tu fais tout comme moi et tu verras, tout va bien se passer. C'est pas si facile quand même. Et puis, c'est ça que t'appelles un raccourci? C'est plus long et plus dur. J'espère au moins que tu sais où on va. Petit lapin ordinaire. Alors demi-tour et plus vite que ça. S'il vous plaît, poussez-vous de là. Vous voyez bien que je vais tomber. Hein? Je vais le dire à mon papa. Peau de lapin, peau de chagrin, peau de lapin,
beaucoup de chagrin. Encore désolé, mais j'ai du travail. Écoutez-moi, monsieur Lucio. Ce violon, c'est vous qui l'avez fabriqué, c'est écrit à l'intérieur. Alors, c'est à vous de le réparer, non? Oui, oui, je m'en souviens. C'est un de mes tout premiers. Je voulais qu'il sonne à la perfection. C'est d'accord. Je vais m'occuper de lui, mais pour le réparer correctement, il faudrait aller chercher un bout d'érable, là-bas, après le pont suspendu. C'est là que se trouve ma réserve de bois sec. Pas de problème, on s'en occupe. Pour trouver l'érable, c'est facile. C'est indiqué sur les casiers de rangement. Vous ne pouvez pas le rater. À tout de suite. Oui, c'est ça. C'est terminé, mon vieux Josué. Tu n'as vraiment pas changé. Déjà, quand j'étais jeune, tu me faisais des misères. Mais tu vois, j'ai bien retenu la leçon. Pour traverser le marais, il faut s'équiper. Hé ! Oh ! Doucement, là ! J'aime bien rigoler, mais il y a des limites. Là ! Il y a le héros qui est marron. Il y a le héros qui est marron. Bien joué, papa. Mes chers petits, je vous retrouve enfin. Miss Toufflet et Pirouette ne sont pas avec vous? Bah, il n'y a que Miss Toufflet. Il a fait tomber ton violon par terre. Mais c'était pas exprès, hein, Agaric? Ouais, et malheureusement, Pirouette, elle n'a rien pu faire. Alors ils sont partis tous les deux chez Lucio, le luthier, pour réparer leurs bêtises. Je le savais! Je n'aurais jamais dû partir sans mon violon. Écoute, Romarin, le plus important pour l'instant, c'est de retrouver ton frère et ta sœur. Tu te rends compte des risques qu'ils ont pris pour racheter leurs bêtises? Ils ont dû avoir très peur et très froid. Ah, ça oui! Oui, je sais bien, Zinia. Bon, à partir de maintenant, promis, j'arrête de ne penser qu'à moi. Et à ton violon? Ah non, non, pour mon violon, c'est pas pareil. Allez, en route. Tous chez Lucio. Ça m'a pas l'air solide, ce truc-là. Je préfère que tu m'attendes là, Sœurette. Toute la famille réunie. Allez vite, Lucio nous attend. En souvenir de notre aventure, je vais l'appeler le violon du marais. Et dès que Lucio a terminé, on part pour la nuit de la note bleue. Enfin, si vous voulez bien assister au concert. Oui, ouais, tout ce concert. Voilà, j'ai collé le bout d'érable le long du manche. Fais attention quand même, c'est à peine sec. Ça n'est vraiment pas de chance, Romarin. Avec toute cette neige, je ne vois pas comment on va pouvoir se rendre au concert de ce soir. Ne t'inquiète pas, petit lapin. Avec maître Lucio, il y a toujours une solution. Qui m'aime me suive. Attention, ramponnez-vous, des rochers, droit devant. Attention. Dis, Romarin, et si tu nous jouais un petit morceau pour nous remettre de nos émotions? Regardez, là,
les lumières de la ville. Rien de plus normal, mon chéri. Tous les grands artistes ont peur avant de monter sur scène. Et souviens-toi bien, si tu joues avec ton cœur, tu entendras la note bleue. La note parfaite. Allez, vas-y. Le public te réclame. En scène, maestro. Bon. À toi de jouer, grand frère.